You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello le vlog, je vous prends. On est lundi, j'ai rendez-vous chez le kiné dans 10 minutes, je suis en retard. Je suis même pas fini de maquiller. J'ai fait monter mes sourcils. Un petit peu de blush bronzer. Et voilà, il faut que je poudre tout ça, donc je finirai de me maquiller en rentrant, plus bébé va avoir faim. Toujours quand je dois faire un truc, je suis pas encore organisée, c'est ouf. Donc là je vais chez le kiné, je vous reprends plus tard. Hello le vlog, je vous reprends du coup, il est bientôt 4h, on va se faire un petit café. Hop, il est 4h, donc on va se faire un petit café avec le chéri, du coup il est avec moi cette semaine. J'ai tout sorti pour filmer des reels avec lui, je vais lui faire deviner le prix de mon maquillage. Et voilà, bébé il dort, il est adorable, c'est un petit ange. Du coup j'ai passé commande sur Shein, j'avais dit que je commanderais plus sur ce site là, j'ai vraiment plus trop envie. Mais je me suis mis au coloriage magique et les fautes que j'ai de chez Action c'est de la merde, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai vu Elodie qui avait commandé les siennes sur Shein pour même pas 20 balles, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Parce que j'avais regardé les feutres de professionnels sur Amazon ou Cultura etc. Putain, mon bronzer, j'ai un peu forcé. C'était au moins 50€ les feutres, donc c'était hors de question que je mette cette somme là dans des feutres. Donc là je me suis dit 17€ des feutres, ça va, c'est moins pire. Donc c'est exactement les mêmes qu'elles. Voilà, comme ça je vais pouvoir continuer mes coloriages magiques. Puisque là j'avais pas pu finir le premier parce qu'il me manquait des couleurs. Et franchement le sien il est, vous me voyez pas, son dessin à elle il est super beau, super fondu. Moi ça fait vraiment des traits de crayon, c'est moche. Donc pourtant j'avais acheté des acryliques aussi et j'avais payé 10 balles les 12 à Action et là j'ai payé 17€ les 84. Donc je vais pouvoir m'amuser et pouvoir me détendre un peu. Regarde toutes les couleurs qu'il y a. Voilà. Hello le vlog, on est mercredi 8. Aujourd'hui c'est férié, du coup il y a tout le monde à la maison. Là je suis en train de faire des pizzas, c'est... Quelle heure il est? 20h30 quasiment, il y a Boubou avec moi. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Du coup j'en suis là, j'ai fait ma pâte à pizza. Je vais venir faire une pizza avec juste du jambon, comme ça, et mozza. Ensuite je vais faire une avec de la mortadelle, de la, du pesto vert, etc. De la roquette, on va voir, peut-être une autre, je sais pas encore. Mais c'est parti.
Je me prends une très ma salade, il y a des racines et tout. Je veux que de la roquette, pas de la mâche. Voilà, la première pizza, elle est trop trop belle. Et la deuxième, j'ai goûté la pâte, elle était trop bonne. Voilà à quoi ça ressemble de... Voilà à quoi ça ressemble de faire un jardin 2024. Ouais. Hello le vlog, on est jeudi, je te retrouve dans ma chambre. Je suis allée faire un petit tour à Action tout à l'heure avec le chéri. Je vais te montrer ce que j'ai pris. Donc dans mon département, il y a 6 actions, j'en ai fait 3. J'étais en quête de ça, là. Les dupes de la marque Glow Recipe. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Je peux pas trop faire le focus avec Baby. Donc apparemment, il y avait la crème, le sérum et le démaquillant. Donc là, j'ai pris le sérum. J'ai le vrai, donc on va pouvoir le comparer sur un petit TikTok. Mais je voulais absolument tester le démaquillant. Donc j'ai fait 3 actions, je ne l'ai pas trouvé. Il me reste 3 actions à faire et je refais tout ce du département. Ensuite, on a acheté des antivols comme ça. Pour le vélo, on en a pris 2 parce que mon fils s'est acheté un vélo à son anniversaire. Et mon chéri a récupéré le sien. Donc là, pour l'instant, c'est dans la maison. Donc on va aller le mettre dans le truc exprès. Ensuite, on a pris un petit plaid comme ça en coton. Donc c'est du 100% coton, c'est pour ça que je l'ai acheté. Pour bébé, parce que là, sa couette commence à être beaucoup trop épaisse. Et ça, c'est un petit plaid qui sera suffisant pour la mi-saison. Dans un action que j'ai jamais fait, j'ai trouvé ça. Donc c'est un beauty essential kit. Dedans, il y a 22 articles. Et genre, c'est ce qu'il te faut absolument quand t'es une femme, quand tu t'en vas. Donc on va l'ouvrir sur TikTok. Ensuite, j'ai trouvé ça. Apparemment, c'est le dupe de la Solde Généraux, ça se voit. Il y avait plusieurs couleurs, mais dans mon action, il n'y avait que celui-là. Donc, on va voir. Moi, j'ai déjà la violette et j'ai déjà senti la jaune. Je crois que je l'ai en tout petit, donc on va voir si c'est vrai ou pas. J'ai repris 2 étagères comme ça parce que je voulais les bomber. Donc, j'en ai pris 2. Je voulais les bomber en rose et en jaune. Donc, j'avais déjà acheté les bombes, mais j'avais pas pu les acheter la dernière fois, elle n'avait pas. J'ai acheté une petite pochette comme ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout mon maquillage joliment à l'intérieur. J'ai acheté ça là. La dernière fois, je me suis trompée, c'est ça que je voulais acheter. J'ai acheté un gel à sourcils. Donc là, c'est pour colorer mes sourcils. Et ensuite, j'ai pris ça pour Sohan. Donc c'est un petit mini humidificateur hydraté rafraîchi. Voilà, donc ça valait 2€. Et ensuite, j'ai repris des masques en tissu. J'en ai pris quelques-uns. Ici, je ne peux pas tous vous les montrer parce que j'ai bébé dans les bras. Donc j'ai pris tous les masques, ça valait 50 centimes, 60 centimes, là il y a de la rose, là ça valait du café, là ça valait de la céramide, là ça valait du gingembre, celui-là il est illuminant, à la fraise, etc. Puisqu'en ce moment mon chéri, eh ben, il aime bien que je prenne soin de lui, donc du coup on va tester tout ça sur lui et sur moi. Donc voilà ce que j'ai pris chez Action. Je pense que le vlog cette semaine ne va pas être très intéressant ni très long, mais c'est vrai que comme ben, mon chéri est à la maison, les enfants aussi, c'est férié, du coup on profite, on fait pas grand chose, on se repose, et si on sort, ben, je prends pas ma caméra, donc voilà. Bon, cette semaine j'ai pas trop vlogué, je vous l'ai déjà dit, je suis en train de filmer pas mal de contenu. Là ce matin j'ai dormi jusqu'à 8h, après je suis restée un peu calée dans le lit avec bébé. Et du coup ma témoin est venue me récupérer. On a été voir la fleuriste pour le mariage. Du coup j'ai un ami, j'ai 2 amis, oulala. Ça c'est ma mère et ma soeur, on a un groupe où on parle. Donc du coup on a été voir le fleuriste faire des devis etc pour le mariage. Là je suis en train de filmer pas mal de contenu pour YouTube, TikTok, Insta, tout ça tout ça. Je vais boire un café et ensuite je vais continuer de filmer. Je vais vous poser. Donc là ce que j'ai fait c'est que pour mes enfants j'ai commencé un tableau pour toute leur routine, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Mon fils il m'a attaché mon tir. Et du coup je vais vous montrer un petit peu, il faut que je le plastifie etc. Il faut que j'imprime les autocollants aussi, il faut que je les fasse. Je les ai pas encore fait, dans ces moments là Canva c'est mon meilleur ami. D'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer le concours des 1000 abonnés parce que ça fait très longtemps que je vous dis que je vais le faire. Là j'ai dépassé, je suis à 1020. Donc je vais faire le concours des 1000 abonnés, je vais pas le mettre ni dans le titre ni dans ma miniature, comme ça il y a vraiment que ceux qui suivent mes vlogs qui vont le voir. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc tout ça c'est pour des concours, je sais pas si je vais tout mettre ou si je vais faire plusieurs concours. Mais déjà je vais vous mettre un petit
planner comme ça. Vous savez que moi j'adore l'organisation, la planification, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je sais que tout le monde ne me suit pas pour le make-up et la beauté. Il y en a qui me suivent pour l'organisation, pour les recettes. Du coup je vais mettre un petit peu de tout. Donc là déjà il y a un planner et un carnet de notes. Franchement, il est juste sublime. En plus il y a des pivoines, mes fleurs préférées. Donc voilà, c'est juste un carnet de notes tout simple, basique. Je vous ai mis ça pour vous démaquiller. C'est ce que j'utilise, que j'ai déjà acheté chez Action. Et franchement, ils sont super, je les kiffe. Ensuite, j'ai mis ça. Alors, je le vends aussi sur ma boutique. C'est pour venir masser les cheveux quand on met des soins, etc. Ensuite, je vous mets aussi une petite serviette pour les cheveux. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Je vous l'ai dit, je sèche plus du tout mes cheveux. Avec des serviettes normales, j'utilise que ça. Je vous mets aussi mon petit pchit-pchit multi-surface Fabulosa. Que j'adore, il est au bubblegum, c'est mon préféré. Je vous mets aussi ça pour vous démaquiller, donc pour mettre sur la tête. En tant que personne organisée, je vous mets une to-do list. Ensuite, pour cet été, je vous ai acheté ça. Donc c'est un livre de coloriage avec des crayons. La base, j'adore en plus faire en ce moment, donc je me suis dit que ce serait sympa. Je vous ai mis des masques pour le visage, des fossiles, un déodorant de la marque Respire. Là, c'est un petit kit de chez Kiko et dedans, il y a un mascara et un rouge à lèvres. Ensuite, je te mets un petit liner, ma crème hydratante que je kiffe de chez La Rosée, c'est vraiment une de mes préférées. Une huile pour les cheveux, une ombre à paupières de chez MAC. Et enfin, pour terminer, je vous mets une gelée de chez Caudalie. Donc ça, c'est le concours pour les 1000 abonnés. J'en referai d'autres, je pense, pour quand on aura d'autres abonnés. Ou pourquoi pas sur Instagram, TikTok, etc. Donc si vous voulez participer, je mettrai un Google Form dans ma barre d'infos. Et vous avez juste à le remplir pour participer au concours. Bon, on va utiliser la plastifieuse. Je suis venue faire ça, là, des routines pour mes enfants, avec tout ce qu'ils doivent faire tous les jours. Donc là, c'est leur routine journalière. On va cocher à chaque fois quand c'est fait. Et ensuite j'ai fait ça, les tâches à faire. Donc à la base je voulais leur donner de l'argent de poche, sauf que ça va être l'autorisation de la tablette le week-end. Donc là il faut qu'ils débarrassent, qu'ils mettent la table, qu'ils fassent la vaisselle, qu'ils fassent le ménage, qu'ils donnent à manger aux chiens, qu'ils sortent les poubelles. On mettra des petits plus, et quand ils se disputent, quand on les gronde, ou quand ils disent des gros mots, on mettra des petits moins. Et si à la fin de la semaine il y a plus de moins que de plus, il n'y a pas de tablette. Voilà, parce que j'en ai marre de crier, j'en ai marre de me fâcher. Ils sont grands, il faut les responsabiliser. Donc j'ai planifié tout ça, plastifié tout ça. Et voilà, voilà. Allez, c'est ready. Mais non! Oh, j'ai la chair de poule, NCIS de qui est mort, quoi. Je regardais ça quand j'étais petite. C'est comme ça, je peux plus trop ouvrir ça là. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais leur montrer ce soir et puis on va commencer.